Salutations Thyriennes les amis, c'est Loki qui vous parle et qui vous présente un nouvel épisode des Chroniques de Thierry, la main des 6. Et nous sommes donc en direction pour aller aider les Skrits. Ils sont en fait une race d'hommes rats. Entrer dans l'instance. Radastrophe. Je n'ai aucune compassion pour ces voleurs lâches. Si mon épée disparaît, je les abattrai à coups de petites cuillères. J'espère que ce n'est pas du vent. Je connais les Skrits. Vous vous pâmez pour du verre poli. Non. Bien plus intéressant. Promis. Venez. Venez, suivez. Nous l'avons trouvé. Nous vous montrons. Ah, bien. Venez. Là, regardez là-dessous. Suivez. Trouvez des trésors nains. Oui, oui. Peut-être vous voulez en emporter. Des trésors nains? Est-ce qu'il aurait trouvé un stock de bière naine? Il est très étrange. Vous dites qu'il y en a une pièce pleine? Sigik a trouvé plein, loin, loin dans une grotte, et est retourné pour reprendre. Retourner pour en reprendre? C'est une folie. Pas le choix. C'est pour commercer, pour nourrir nos jeunes. Sinon, mort de faim. On dirait des autodestructeurs. C'en est bien. Oh, sachant que ça va mettre de l'action dans le coin. Je suis pas sûr que mon épée... Ah si, elle leur fait du dégât. Ça va, ce sont que des petits crabes. Bâton, c'est quand même plus efficace. Oh, ça commence à monter de volume là. Oh merde. Mais pas surtout hein. Eh ben voilà, c'est le fail. Oh merde, je me trompe de côté.
Quoi, ici aussi? Ça tape comme des brutasses là. Balthazar, j'ai besoin de ton aide. Balthazar, donne-moi la force. Et maintenant, on fait quoi? Bon, ah non. Ça fait du bien. Petite pause. Voilà. On reprend pour éviter les décalages de son. Oh putain, il y en a encore en bas là. Oh mais c'est pas vrai! Putain mais... Ah non, le forgé il est presque mort aussi. Ah, c'était les derniers? J'ai vu ces créatures avant... Oui, dans les profondeurs. Nous avons fui il y a longtemps. Maintenant, elles se sont rapprochées de la surface. Elles nous ont trouvés. Elles ont dû suivre nos éclaireurs, trouver notre ville, et maintenant, elles arrivent tout gros dehors pour semer la mort. Elles reviendront bientôt, et ce sera elles ou nous. Des destructeurs, ça l'affaire. Ces créatures sont les serviteurs du dragon qu'on appelle Primordius. Les archives des Veilleurs parlent d'un groupe de héros qui aurait repoussé les forces du dragon il y a longtemps. Je sais bien que les jeunes s'intéressent peu à l'histoire de nos jours. Mais moi qui ai raté le premier combat... Je ne raterai pas celui-ci. Regardez cet artefact. On dirait une sorte d'œuf. Un œuf de destructeur? Est-ce possible? Oui, oui! Chigik a trouvé celui-là, dans une pièce pareille. Beaucoup, beaucoup pareille. Chigik est retourné pour en reprendre, mais...
Elle n'est pas revenue. Peter pense que nous pouvons faire une bombe pour tuer les destructeurs. Il veut voler la poudre de bombe au centaure pour l'explosion. Ces créatures sont franchement têtues. Ah, pardon. Je voulais dire dévouées. Et pas parce que je ne les aime pas que je ne peux pas les admirer. Ok, bon, ça s'est fait dans la douleur, là, quand même. Hein. Bonjour. Ok, donc Primordius est rendormi suite au à ce qu'on a fait dans Eye of the North, dans Guild Wars 1. Ok, ok. Alors, parlez à Flotchak. Vous m'apportez quelque chose ? Donc je pense qu'on est parti pour aller chercher les scrits du renfort. J'en ai terminé avec ça. Et bien voilà, qui conclut cette session qui s'est quand même faite dans la douleur. Première mission où franchement j'ai eu du mal. On commence donc les choses sérieuses avec nos premiers serviteurs de dragons dignes de ce nom. C'était surtout la masse, quoi. Pouh, qu'est-ce qu'ils étaient nombreux, les enfoirés, quand même. Bon, en attendant, je vous dis à plus, et à la prochaine. Bye bye. I don't want to set the world on fire.